Bienvenue à vous tous, mes chers amis taureaux. Vous avez l'habitude d'être à mes côtés. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et on y va sans plus tarder pour votre tirage. Carré magique, 9 lames, passé, présent, futur, multiplié par 3. Allez, c'est parti, on y va. On va demander, on va poser une belle intention pour tous les taureaux et ascendants pour ce mois de février 2023. Voilà. Donc ce tirage est parlant car mon ascendant est taureau, donc vous êtes des petits chanceux. Alors c'est parti pour les taureaux. Je demande un tirage, une guidance pour ce mois de février 2023. Donc on va voir ce qui va donc se passer, les amis. Et je vais dire donc nous dans ce tirage. Vous avez l'habitude, mes chers amis taureaux. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer pour nous, hein, tout simplement, pour ce mois de février? Je suis très impatient de le découvrir avec vous. Alors, tout d'abord, on a ici la Dame de Pentacle. La Dame de Pentacle, c'est tout simplement une grande dame. Cette personne, elle connaît sa richesse antérieure. Elle sait qui elle est parce qu'elle a travaillé depuis de nombreuses années sur elle-même. Son introspection, ses connaissances, développement personnel, spirituel. Et elle est zen, calme, attentif. On peut voir et ressentir en elle une présence. Et c'est ce que on t'invite pour ce mois de février de développer, de continuer à attirer à toi cette présence de l'instant présent. Alors on continue avec le 4 de bâton. C'est les 4 piliers fondamentaux de la vie, d'accord? C'est tout simplement ce qui correspond à la lame du jugement. Les 4 piliers, le premier correspond tout simplement à l'avoir, d'accord? Ici, ça correspond au faire, à l'être et à aimer. Et tout simplement, les 4 verbes, être, avoir, faire, et aimer, sont reliés, ce que l'on appelle le monde. Sans ces 4 piliers bien ancrés en toi, rien ne va se passer. Beaucoup de personnes sont dans le faire humain pour avoir et oublient l'être et aimer. Ils veulent être aimés, mais oublient de s'aimer en priorité. Voilà ce que cette lame vous indique. La troisième ici, c'est l'empereur. L'empereur qui regarde tout ce qu'il a accompli. Il se pose, il est très fier de lui, de sa personne, car il sait que depuis de nombreuses années, tous les jours, il fournit des efforts constamment. À un moment donné, il se pose et il regarde ses réussites. Ses enfants, ses filles, ses garçons qui sont la continuité de sa vie. Il est très fier de pouvoir se dire le nom de ma famille va perdurer après moi. J'ai mon petit garçon qui va continuer à faire perdurer le nom
de notre famille. J'ai accompli beaucoup de choses. J'ai affronté beaucoup d'obstacles et j'ai su rebondir en permanence et évoluer et grandir. Et j'en suis très fier. Voilà ce que cette lame de l'empereur t'indique. On continue avec la quatrième lame qui est le 3 de bâton. Alors on est toujours aussi dans le passé à regarder ce qui se passe, mais pas le mauvais passé, mais ce que l'on a accompli. On est fier parce qu'on a gravi les marches une par une et on a réussi à vivre pleinement notre vie telle que l'on souhaite. On a planté nos bâtons, notre mission de vie est là et on le sait très clairement. On sait ce que l'on est, on sait ce que l'on veut et on sait où l'on va. Et on en est très fier, encore une nouvelle fois. Comme vous voyez, c'est vraiment la richesse intérieure et le courage, la détermination et l'effort jour après jour qui fait que l'on s'est confectionné grâce à notre capacité et cette détermination du taureau. La cinquième lame ici, c'est le 3 d'épée. Avec ce cœur brisé, ces partenaires du passé qui nous ont victimisés, qui ont voulu qu'on ne réussisse pas, on a pu prouver aux autres, en toute simplicité, qu'on a pu accomplir l'impossible. Ils ont eu tort de ne pas croire en nos capacités, en nos talents. On a réussi à provoquer la chance et c'est eux-mêmes maintenant qu'ils en sont blessés. On ne peut rien pour eux, après tout. C'est nous qui avons réussi à transcender notre vie. Avec cette résilience, nous avons grandi. Cette lame, elle t'indique, en quelques mots, il ne fallait pas nous laisser seuls. La sixième lame ici, c'est le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est ce petit enfant qui est à l'intérieur de toi avant de devenir cette grande dame qui se connaît parfaitement. Il va falloir au départ se confronter à soi-même et y aller, charbonner, comprendre, faire des efforts en permanence, étudier le développement personnel, la psychologie positive. Encore, mettre des affirmations positives dans notre cerveau. Faire très attention à toutes les personnes que l'on côtoie au quotidien. Et écouter les pensées qui arrivent en nous et les transformer en positives en laissant échapper le négatif. La septième lame ici t'indique le magicien. N'oublie pas, mon ami, que tu es un être créateur. Tu crées ta vie comme tu le souhaites. Soit tu fais pas. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Soit tu décides de charbonner,
Soit tu décides de t'acharner, soit tu décides de t'obstiner, soit tu décides de donner pour mieux te relier aux autres. La vie est un choix. Soit tu choisis de travailler pour redonner aux autres, soit tu choisis de travailler pour accumuler. Mais fais attention à toi. La huitième lame, ici, c'est le 4 d'épée. Ici, on t'indique tout simplement de développer l'être spirituel que tu es. Ça veut dire tout simplement de lâcher prise sur tout ce que tu as appris à l'époque, tout ce qui est tabou, la sexualité, les religions. Ah, cette personne est comme si, elle est comme ça. Elle est trop vieille, elle est trop jeune, il a trop de cheveux, pas assez de cheveux, trop grand, trop petit, trop gros, trop gras, trop mince. Et en permanence, dans le jugement. Alors cesse de perdre ton énergie inutilement. Ne te justifie plus, tu sais qui tu es, car tu as appris à te connaître depuis pas mal de temps. Car maintenant, tu le sais, tu as beaucoup de capacités. Tu as accompli beaucoup de choses quand tu retournes dans ton passé. N'est-ce pas? La neuvième lame, pour finir, mes chers amis taureaux, c'est tout simplement le 7 d'épée. Tu peux être très fier de toi-même parce que tu as accompli beaucoup de choses et que tu as semé des graines d'être. Le plus important, ce n'est pas d'avoir, mais d'être. Voilà ce que cette lame t'indique. Alors continue avec le 7 d'épée, continue à harmoniser tes 7 chakras, tes roues énergétiques, les chakras de base, l'enracinement, le soleil qui brille à l'intérieur de toi et illumine ta vie autour de toi. Tu peux être très très fier de toi car tu as déjà accompli beaucoup de choses. Félicite-toi et je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental. À demain.